Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers pèlerins, chers amis de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où nous célébrons la fête de Saint-Philippe Néri, qui a fondé l'oratoire Société de prêtres dévouée à la formation des jeunes. Philippe Néri a laissé le souvenir d'un saint joyeux aux fantaisies imprévisibles, ardent à la prière et aux charités vécues. Et ce matin, nous sommes invités à nous tourner avec confiance vers le Seigneur qui est lumière pour nos pas et lumière sur notre chemin. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ne craignons pas de demander la miséricorde de Dieu. Elle seule peut nous vivifier et faire de nous des pierres vivantes de l'Église de Dieu. Seigneur Jésus, pierre de fondation de l'Église, prends pitié de nous. Ô Christ, parole vivifiante, vivifiant l'Église, prends pitié de nous. Seigneur, lumière éclairant l'Église, prends pitié de nous. Que le Père de miséricorde, fidèle et tout-puissant, pardonne nos péchés, qu'il nous ranime et nous éclaire, nous soutienne et nous rende avide de sa parole jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe Néri, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Soyez semblables à des enfants nouveau-nés. Soyez avides de la parole, comme d'un lait pur qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon, comme dit l'Écriture. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisi parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Oui, c'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois, vous n'étiez pas son peuple. Mais aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privé d'amour, mais aujourd'hui, Dieu vous a montré son amour. Mes bien-aimés, puisque vous êtes ici-bas des gens de passage et des voyageurs, je vous exhorte à fuir les tendances égoïstes de la chair qui mènent leur combat contre l'âme. Ayez au milieu des païens une conduite excellente. Ainsi,
alors même qu'on vous calomnie en vous traitant de malfaiteur, ils auront devant les yeux vos actions excellentes et ils rendront gloire à Dieu le jour où il viendra visiter son peuple. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples étaient venus à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabboni, que je vois !» Et Jésus lui dit : « Va,
ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Dit Jésus à Bartimée. La guérison de la cécité fait partie de l'expérience chrétienne. L'aveugle Bartimée est l'image de la détresse et de la pauvreté. Cet homme assis le long de la route, enveloppé dans son manteau, est totalement dépendant des autres. Il est littéralement cloué au sol, incapable de marcher dans la lumière. Sa vie n'est que misère. À certains égards, la situation de Bartimée ressemble à la nôtre. Comme lui, nous éprouvons souvent le sentiment d'être dans le noir et nous avons besoin de demander l'aide du Seigneur. Jésus apparaît comme la lumière qui peut guider nos pas et éclairer notre route. Il est la lumière offerte à tous dans un monde qui cherche son chemin. Alors, nous pouvons nous aussi crier vers le Seigneur, quelle que soit notre situation, et dire, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Mon travail n'a pas de sens. Je suis comme un robot. Je suis trop vieux pour trouver un autre emploi, trop jeune pour prendre ma retraite. Je ne vois plus où cela me mène. Je suis comme Bartimée dans l'Évangile. J'ai besoin de voir clair dans ma vie. » Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Je passe la plus grande partie de mon temps seul, dans ma résidence pour personnes âgées. Mes enfants ne viennent plus me voir. Je me sens complètement inutile. Je suis comme ce pauvre aveugle, assis le long du chemin. Seigneur, sois la lumière qui guide mes pas. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Notre mariage est en ruine. Il semble que nous sommes condamnés à nous endurer, à nous chamailler, à mettre de plus en plus de distance entre nous. Je ne vois aucune solution possible. Seigneur, sois la lumière sur mon chemin. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Je suis complètement dépendant de la drogue, du jeu. Je suis alcoolique. Je meurs d'un cancer. Je vieillis très mal. Je suis plein d'angoisse et de haine. Je ne sais pas pardonner. Je suis comme ce pauvre Bartimée. Seigneur, sois la lumière qui guide mes pas. Bartimée était pauvre, dépendant des autres, aveugle, comme nous le sommes souvent, devant beaucoup de problèmes de notre vie. En cette année de la miséricorde, nous sommes invités à nous tourner avec confiance vers le Seigneur. Il saura nous donner des yeux nouveaux. C'est lui qui nous permet de voir le monde à travers les yeux de Dieu, de ce Père miséricordieux. Il nous fait découvrir le sens de la vie, le sens du travail, le sens de la famille, le sens de la maladie, le sens de l'épreuve et de la mort. Il est vraiment la lumière sur notre chemin. Nous avons besoin de cette lumière pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour la transmettre aux autres autour de nous. Le Christ est venu éclairer notre vie et nous redonner la joie de vivre, comme le saint d'aujourd'hui, Saint Philippe Néri, a su la trouver.
Il nous redit aujourd'hui, comme à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Prenons le temps d'accueillir en chacun de nous cette parole du Seigneur, confiant qu'il saura entendre notre demande. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te demandons cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple de saint Philippe, travailler à ta gloire et au service du prochain dans une joie continuelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Philippe Néri, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa lumière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous t'en rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Philippe Néri, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous le rappelle sans cesse. Dieu est un Père plein de miséricorde, un Père qui nous aime, un Père qui est là pour éclairer notre route. Redisons avec confiance la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que tu règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais qu'à l'exemple de Saint Philippe, nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, je vous souhaite une bonne journée. Que Saint-Joseph et Saint-Frère André éclairent votre chemin tout au long de ce jour. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Amen.